Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Bon les gars, je vais vous présenter un petit tuto pour avoir des tenues modées en 10 minutes. Ben, c'est pas des cracks, bon, il vous faudra faire des préparations de tenues avec votre personnage féminin et ça sera transféré sur votre personnage masculin, ok? Donc après, vous pourrez aller voir un peu les tutos de tout le monde et récupérer ce qu'ils mettent comme habit sur le personnage féminin et les modeler avec le glitch. Et en plus, vous allez gagner 1 400 avec la vente des appartements. 1 400 000. Donc là, je vous montre les tenues que j'ai préparées. Vous pourrez recopier. D'accord? Vous mettez pareil et ça vous fera le même bug. Donc vous comparez après avec le masculin. Donc les gars, dans cette configuration, il va y avoir des tenues invisibles. Mais en fait, elles seront dans les missions. Donc si vous cherchez à faire des tenues invisibles, c'est blacklisté. Vous pourrez les utiliser que dans les missions. Donc allez voir dans une mission de braquage ou quoi, qu'est-ce que vous avez fait ou voilà, vous pourrez jouer avec, mais en mission. Donc voilà, moi j'ai fait vraiment des tenues de base. Venez sur Facebook, donc vous mettez Glitch Fun sur Facebook et j'ai mis aussi encore des personnages féminins avec des tenues modées, donc vous verrez un peu, ça vous donnera des idées. Donc là, sur ce personnage féminin, on va mettre des appartements les plus chers sur l'emplacement 4, 5, 6 seulement, pas ailleurs. Si vous voulez gagner 1 million 4, vous faites ça en plus. Pour les tenues, c'est autre chose. Ça sera sur le même glitch. Mais ça sera autrement. Donc vous voyez, 4, 5, 6, vous mettez les emplacements les plus chers. Enfin, vous achetez avec ce que vous avez. Si vous avez 500 000, vous le mettez sur l'emplacement 4, vous allez gagner 500 000. Donc maintenant, je vais aller sur le personnage 1, sur mon personnage masculin. Donc ce qu'il faudra, c'est que les 10 emplacements, ils aient les mêmes noms. D'accord? C'est le plus important de l'histoire. Même s'il y a des tenues ou quoi, on s'en fout. Faudra que tous les emplacements et les mêmes noms sur chaque ligne entre chaque joueur. D'accord? Comme ça, ils pourront partir se photocopier sur l'autre joueur. Donc le but, c'est de mettre des tenues modées sur le joueur masculin. Voilà, donc là je vais vous montrer que les 10 cases ont le même nom que le joueur féminin. Donc là j'ai sauvegardé des tenues bronzage, peu importe les tenues que vous aurez dedans. Et sur ce personnage masculin, vous mettrez les appartements, non c'est des garages, les garages les moins chers. D'accord, c'est des garages à 25 000. Donc vous inquiétez pas, vous perdez pas vos véhicules. D'accord? L'emplacement 4, 5, 6, pareil. Et quand on reviendra ici, on aura les tenues à ce personnage et on aura les appartements, enfin au moins les prix du personnage féminin. Donc on aura tout dupliqué du personnage féminin.
Donc maintenant, on va en mode histoire. De ce mode histoire, on va faire PS jeu chargé. Et vous allez charger une sauvegarde que vous avez faite sur le online. Si jamais vous n'arrêtez pas de vous suicider, il vous faudra changer la sauvegarde. D'accord? Donc vous en créez une autre ou vous la re-sauvegardez la même, mais voilà, faites quelque chose sur votre sauvegarde. C'est ça qui vous empêche de faire le glitch. Parce que si vous êtes mort au moment où vous allez avoir l'explosion, c'est pas bon. Donc je vais vous montrer ça après. Donc là, j'ai lancé la sauvegarde. Et après, je pourrais aller dans le mode éditeur. Donc le glitch, ça va commencer à partir de là. Donc là on est ici, j'ouvre mon menu, pavé tactile, alors avec le téléphone, vous allez lancer l'éditeur. Là il faudra que vous fassiez un petit réglage, que vous mettez balle explosive. Et accéder au mode réalisateur. Donc le glitch, ça va se passer maintenant, les potos. Il faudra bien suivre les consignes pour pouvoir arriver à tous les coups. Donc il va vous falloir un petit timing, d'accord? Il va vous falloir rester appuyé sur PS, donc en même temps viser sur PS, tirer et lâcher PS. Pas PS, pardon, option. D'accord? C'est start. Vous restez appuyé sur start. Vous tirez, vous lâchez start, il faudra qu'il y ait un pchit et cette boule. Vous voyez cette boule de feu? Et là, je vais en ligne, choisir personnage. Et quand je vais valider choisir personnage, il faut pas mourir. Faut que votre bonhomme reste debout, droit comme un i. Donc il est en god mode, quoi. Et c'est là que vous serez, que vous aurez réussi le glitch. Une fois que vous avez passé cette étape, le reste, il faut suivre juste les instructions et vous allez y arriver à tous les coups. Donc là, je vais choisir le joueur qui a les appartements chers. Donc ça va être la fille. Je vais cliquer sur la fille. Et dès qu'elle marche, je vais faire rond. Et vous allez entendre un tic. Dès que ça fait tic, vous pouvez être sûr que vous avez réussi. Et là, maintenant, je fais deux fois flèche du haut, X. D'accord? Juste avant le message que je viens d'avoir. Donc dès que vous êtes dans le ciel, vous faites deux fois flèche du haut X, vous aurez le message pour quitter l'éditeur. Vous quittez l'éditeur, vous validez ce message. Et là, on va attendre le deuxième message qui va nous renvoyer en mode histoire. Donc vous faites rond quand le personnage féminin il marche. Et dès que vous êtes dans les airs, vous faites deux fois flèche du haut X. Et ça va vous faire un message d'alerte. Comme quoi vous devez quitter le mode éditeur. D'accord? Vous allez l'accepter. Et là, on va patienter. Qui nous donne le message qu'on va valider. Donc là, le glitch, il est fini.
On se retrouve en mode histoire et on va rejoindre le personnage en ligne. Et là, vous verrez que j'ai les tenues et les appartements chers. Donc j'ai gagné 1 400 000 et j'ai pu me faire une dizaine de tenues. Donc les tenues qui vous arriverez pas à utiliser alors dans la session, allez voir, elles seront dans une mission, d'accord? Et vous pourrez jouer avec. Donc à vous de voir, faites plein d'essais. Voilà, vous avez plein de choix sur Internet. Régalez-vous, profitez-en parce que ça va pas durer. Voilà les potos. En tout cas, j'espère que vous allez vous abonner. Vous allez mettre un petit pouce bleu. Et venez sur Facebook, hein, les gars. Je vous attends. Et je vais vous laisser en musique pour vous montrer le résultat. Je vous fais des grosses bises à tout le monde. Ciao, ciao tout le monde. Thank you.